à tous les journalistes qui sont là, qui ont vraiment relayé ce meeting. Ça fait pendant une semaine. Vraiment, la presse nous a soutenus pour que nous puissions réaliser et relancer notre discours. Là, vous savez que la crise est vraiment en bas de l'échelle. Maintenant, nous revenons. Nous avons le champion d'Afrique il y a une semaine. Nous avons le vice-champion d'Afrique. Nous avons une médaille de bronze sur la ronde. Aujourd'hui, vous avez vu le meeting. C'est moi d'aller en premier. Demandez à vous, nous sommes à leur niveau. Donc c'est une première de relance. Vraiment, nous sommes tous heureux. Nous sommes tous présents. Nous remercions vraiment nos partenaires. Remercier vraiment le chef de l'État avec ce beau bijou que vous voyez. Hein. C'est la première fois qu'on organise sur ce stade avec notre ministre de sport qui est là depuis 15h. Qui est content de voir que ça s'arrête à la crise marocaine. Les officiels, la fédération, vraiment les gens qui sont venus de ce meeting. Ça fait 7 ans que nous ne l'avons pas. Depuis que j'ai pris l'initiative, la fédération est là, toutes les associations athlètes sont là. Donc voilà, on peut dire que c'est une réussite. Pas parfaite, mais on a des choses à améliorer pour une prochaine fois. Voilà, merci à tout le monde. Inch'Allah, l'année prochaine, ce sera la perfection, pas la perfection, mais le meilleur de que les athlètes sénégalais soient illustrés. Ils ont gagné pas mal de disciplines. Voilà, on a le potentiel. Maintenant, nous sommes obligés, nous demandons que ça. Parce que le conseil de l'État, le mari de l'État, nous demandons vraiment à l'unité de avec des sociétés sur place pour nous faire des locations de bus à moindre prix. Il y a le train et tout ça, nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour que ça ne sera pas facile, mais nous allons essayer en concertation avec la fédération et certaines sociétés pour qu'on soit vraiment venu. C'est loin parce que tous nos athlètes sont venus à Dakar, mais la semaine dernière, je suis allé rencontrer avec eux pour qu'on se relance la vie. Je pense que nous aurons l'accès du stade déjà pour développer l'athlétisme avec les gens qui sont ici à Diablo et les athlètes de Dakar qui sont ici. Pendant 2 ans, vraiment, le Diablo Séron soit fonctionnel et que vous allez voir un très grand meeting là. Elle est dans le centre de Dakar. Donc, elle est là depuis 3 ans. C'est nous qui l'avons formée. Elle est son coach dans l'Espagne. Les autres athlètes nous ont venus ici. C'est Salissa, Saboni. C'est le centre. Maintenant, c'est pour nous allons faire. Voir avec le ministre de sport comment il va nous aider à mettre d'autres Sénégalais dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent gagner. Vous voyez, le football, ça marche parce qu'il y a pas mal de joueurs de football. Il y a Kabar, il y a la génération. Il y a plein de choses. Avant, il n'y en avait pas. Donc, on ne pouvait pas gagner. Maintenant, tout ça, c'est de l'autre. Bien que c'est ça.